Et bonjour à tous, comment ça va? On va tenter, on va faire un petit cyberpunk, ça me fait une petite pause entre deux choses, entre deux siestes, voilà. Je montre un petit peu ma Xbox. Ah non, mais attends, je suis plus. Ah si, c'est bon. Voilà. Ah si, c'est bon. Donc, ça, comme d'habitude, j'ai émulé ma Xbox. Salut Anna, salut David, salut Aka, salut Yacine. Qu'est-ce que j'ai comme jeu sympa? Ça, je l'ai fait. Ça, j'y joue, j'adore ce soir. Ça, c'est mes trois petits jeux de la tranquillité, tu vois. Ça, c'est parce que ça, c'est un peu le jeu du cœur, tu vois. Ça, c'est un jeu, j'aimerais bien le finir. Celui-là aussi, mais il me casse les burnes. Et voilà. Que du bon jeu, on est d'accord. Allez, c'est-y part. On retourne sur Cyberpunk. Et on va compter le nombre de secondes. Hein? Je lance. Un. Ah ouais. Une seconde. Ok. Une seconde maintenant, le temps de chargement. D'accord, tout va bien. Ok. Alors, il n'y a pas de son, c'est normal. Attends. Vous entendez un peu le son ou pas? Quand je saute là. Boum. Bon, bah là, on doit. Je vais prendre ma voiture. J'ai même pas envie de prendre ma voiture, mais bon. Je dois retourner voir mon pote. Donc là, on va faire la négo avec je sais pas qui là. Ah merde. On peut remonter par là ou pas? Je passe, ça passe ou pas? On tente. Ah. Ça a l'air de passer, c'est sympa. On bouge pas. C'est un peu relou que. Ah bah, il est pas loin. Ça... Ah putain, j'aurais pu descendre par là pour le retrouver là. C'est un peu relou que. Que à chaque fois que j'allais dans un endroit à pied, il y a ma voiture qui apparaît comme par magie, mais bon. Donc, on est chez Whole Food. Avec un cochon transformé en. Peut-être qu'un jour, on aura ce type de. Comment dire, d'iconographie. C'est-à-dire. Une sorte de réalité dure du monde mais ironique. Je réfléchis à si on peut monter là. Salut mon chum, ça va? Ah bah, t'es pressé, Mano. Bah, est-ce D'accord, qu'il est c'est bien, tu toi vas qui voir. vois. Hey, qu'est-ce que t'attends? 2 secondes, je réfléchis. D'abord, je vais sauvegarder, c'est ça que j'attends. Je vais sauvegarder, d'accord? Ça te dérange pas, Tchoum? Tu le sais pas que je... Moi, je trouve ça cyberpunk de sauvegarder, donc... Bonjour. C'est Fibre Tigre. Attends, on va le faire... Non. On vient parler à Royce, Non, la barre on d'attaque. va désescalader la situation. Salle principale, on vous attendait. Doom Doom, il est un petit peu nerveux, là, Doom Doom. Ok. Charmant comme endroit. Manque juste quelques plantes. Eh ben, ils ont l'air bien préparés. Première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de bouffe. Ouais, sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé. Ils ont dû se jeter dessus comme des vers sur une charogne. Je prends ça, hein, excuse-moi. T'as trouvé quoi là-dedans? Un camion de Militech. Putain, je croyais que ces cabronnets avaient juste piqué quelques caisses. Pas tout un smi. Ah, je suis allé regarder là-haut. Ah, t'es Entendu parler de incroyable. leur boss, Royce? Ouais, Pardex. Il est un peu spécial d'après lui. En pleine ville? Ils se croient en guerre, c'est dingue. Ah, j'ai un mauvais pressentiment, Jack. C'est vrai que ces gars sont loin d'être des enfants de cœur. Il faut être prudent. Salut Dartéon. Ok, tu veux me briefer? Ou je rentre? T'as rien à me dire? On y va? Ok, on y va. T'as quoi autour du cou, gars? Ah, une croix. De la nourriture ici? C'est ça la nourriture? Monte dans cet ascenseur du camp!
T'inquiète, ils veulent juste nous faire flipper. C'est toi, Doom Doom? Salut. Bah, ils sont charmants, les yeux là. Ok. Ouais, j'arrive. Reste close, B. On est chez eux, n'oublie pas. Je suis cool. Bon, vous voulez quoi? Vous avez un robot. Un modèle MT0D12. Il nous plaît que j'ai l'argent de la meuf, Meredith. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Le type que je représente a payé Brick pour l'avoir. Je passe juste pour la livraison. Je parlerai à Royce directement s'il faut. Y'a déjà un gars qui est en... Mais non, c'est avec moi que tu vas parler. Je m'appelle Dom Dom. Ah ouais? Canapé, posez-vous que... Dom Dom, je crois que c'est un modèle de balle, non? J'ai pas envie de m'asseoir. Ça va? T'es qui toi? Putain, t'es bougé! Ouais, ok. Ça vaut aussi pour toi! Tu con! Je vais rester debout. T'as du mal à picher, connard! Pose ton putain de t-shirt, putain de canapé! Oh! Moi. J'ai cru que tu le demanderais jamais. Et pose ton cul avant que je te colle une balle dans le crâne! Jack, assieds-toi. Ça va mal faire. Ça monte un petit peu là. Hein. Fais chier. Bon, très bien. Allez, on se détend. Prends une dose. Allez. Ça y est, je suis détendu, tout va bien. Là, je fais tout pour qu'il soit. C'est moi qui le détends là en fait. Un peu trop d'yeux sur cette maintenant personne. On peut causer. Jamais je ferai des modifications de mon corps, c'est sûr. Voilà. Même pas agrandissement de la bite, hein, je vous le dis. Modèle MT0D1. Rétrécissement de la bite, peut-être. Je dois le voir. Fais-toi plaisir. C'est un putain de secret, Jojo. Bladage avec camouflage thermo-optique dynamique, immersion cognitive totale avec contrôleur Revel, prototype d'actionneur. Il y a un gars qui s'est réalisé en alliage de titane vanadium Kevlar. Et bah, et donc, ils vendent bien les choses, le gars. Regardez ça. Ils ont intégré complète. Alors que l'araignée se mettra à escalader un mur, à suspendre au plafond. Elle est là-haut. C'est la gerbe assurée. Alors, vous en dites quoi? On le prend. Ouais, on le prend. Hey Mios, c'est super. On peut voir vos crédits. Bah, on a déjà payé, mon gars. Demandez-les à Brick. Il a été payé. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est quoi ton problème? Personne qui s'appelle Brick ici. Et toi? T'es qui, toi? Tu crois vraiment que je vais payer deux fois? Eh oh, tu vas pas me faire payer deux fois pour ce robot. Tu crois que c'est toi qui décides ce que je peux faire ou pas? Hein? Si je te dis de repasser à la caisse, tu le fais. D'accord, il est conscient que j'ai déjà payé, quoi. Si vous voulez le flathead, vaudrait mieux allonger les aider. T'es prêt à nous faire une réduc? T'as déjà reçu les aider à l'avance. Tu pourras nous faire une réduc. C'est la moindre des choses. Une réduc? Au fait, je pense. Tu nous as pas dit qui t'envoie. Ou pour qui tu bosses? Dexter de Shaun. Si tu veux le savoir. Dexter de Shaun. Le crawler qui a enculé la moitié de Pacifica avec une barre de fer. Je veux juste dégainer. Non. Il pète même la forme. Et transmet. Mexican standoff. Mon offre alors, tu l'acceptes ou pas? Allez. Les crédits sont là-dessus. Ça c'est l'argent de la c'est la... Ah mais merde! J'aurais dû la détruquer là. Merde, je suis con. On aurait mis un petit coup de pression. Malheureusement, on va se faire avoir parce que elle était cryptée, j'aurais dû la décrypter. C'est du bon matos, ce flatline. Il fera l'affaire, quoi que vous ayez prévu. Merde.
Désolé. Oh merde. Allez. Mais non. Alors vous voyez pas mais j'ai un... C'est qui? T'es qui? Ah c'est Jackie. Attends, hop. Ouais ouais, pas de problème, je gère aussi. C'est parti. Il est mort. Ouh. Merde. On est enfermé. Le robot et les clés de contrôle, vite. Faut trouver un moyen de... C'est bon, j'ai tout. Le robot et le contrôleur. Alors on se casse. Vaut mieux pas traîner. Oh, ils sont pas tous morts, c'est bien. Allez, on dégage d'ici. J'ai besoin de prendre l'air. Attends, on peut aller là ou pas? Non. Ok. Bon bah on y va, c'est parti. Euh, 18h30. Tony. C'est pas une sortie là? Ah peut-être là. Ah c'est là où il était le gars. Waouh, c'est quoi ça? Pantalon, ok. Ouais. $1000 on prend. Hein. Ça c'est quoi? Manuel du solo. Oh, il y a peut-être des trucs intéressants ici. Je prends tout, hein, moi. Nigiri. Un briquet. On peut... Ah, on va peut-être faire des trucs là. Yes, on va peut-être désactiver des choses. Message. Fichier. Acheteur possible. Militech. Pétasse de l'Afterlife. Alors, fais gaffe. Niveau de production. D'accord, très bien. Il n'y a pas moyen de hacker... Ok, d'accord. Très bien, très bien. On va s'en sortir. T'es où, mon petit... On monte par là? Ok, j'arrive. Attends, je vais voir si on peut pas hacker des trucs là. Putain, c'est la mort. On va pas aller sur internet tout de suite. Y a vraiment pas d'autre chemin. Alors. On va monter. Bon, il y a de la viande, mais il n'y a pas tant que ça de viande aussi. Jus de cactus, on prend. Allez, par où je passe? Il est monté lui. Ah, j'arrive pas à voir dans ce... Attends, est-ce qu'on... Ah mais oui, on va monter là, je suis con. Allez. Ouh. On appuie sur le gros bouton rouge ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être regarder ce qu'il y a là-dedans. Putain, j'aurais tellement dû détrafiquer la puce. Belle ambiance cyberpunk. Je te suis gars, moi je suis déjà en bas. Merde désolé, oula j'ai donné un coup de... Allez hop. C'est quoi ça? Ah des dollars gars. Ah non c'est une grenade, encore mieux. Y'a quoi là dedans? Dans cette unité centrale. D'accord, il nous a vu, ok. Il nous a vu, il nous a pas vu. Ok comment on fait, comment on gère ça? J'arrive pas à voir là. Attends, il y a des gens là. Ok, il y a un gars. Il y a juste un gars a priori. Il y a une porte. Ok, on va attendre. Et ça, c'est quoi? C'est une caméra de surveillance. Si je la désactive, ça dure combien de temps? On va essayer de la désactiver. Ok. Et ensuite, on va attirer le gars là. On va peut-être l'attirer là, tiens. Ça va pas mal. Alors là il s'approche le gars. Il a entendu un bruit. Ah merde, il y en a d'autres, ils sont pleins, là c'est la mort. Ok. Où sont les gars? C'est quoi ça? Bon on fonce dans le tas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pas tué, je vous jure. Il est où mon petit pote? Merde, il est juste là le gars. Ah non, oh merde.
Ça se passe bien là. Oh. Merde, merde, merde. Ok. Il va arriver là, il va arriver là, il va arriver là. Il va monter. Il monte ou pas? Bon, j'ai fait mon mieux, Jackie. Hein. Putain de caméra. Attends. Ah, je suis en train de me faire pirater, c'est ça? Ah, il y a une porte là, merde. Qui me tire dessus? Il est où? Il est où le gars qui me tire dessus? Ah non, c'est le Netrunner. D'accord, qui me fait du mal. Pas grave. C'est parti. On peut ouvrir ou pas? T'es où? Le Netrunner, si je le trouve, le gars. C'était la caméra qui m'a un peu trahi. Merci beaucoup. Vous pouvez faire chier Fibre. C'est la leçon que vous retiendrez aujourd'hui. Qui ça? Il est où? Il est là-dedans, Brick? Qu'est-ce que tu veux faire? On va le libérer. Pas d'autorisation trouvée. Et j'ai pas le code. D'accord. Bouge pas, Brick, je gère. Peut-être qu'il va me redonner les 10 000, qui sait. C'est quoi, il y a une... De toute façon, il n'y a plus personne. Mais allez-y, les caméras, faites-vous plaisir. Hein. Ok. C'est marrant parce que j'ai pas du tout cette position quand je suis en... Ok. Anyway, il doit y avoir la carte quelque part. Je vais te la trouver, mon gars. Mon gars Brick. Ah bah tiens, ça doit être ça, non? Alors, je peux la prendre ou pas? Ah, peut-être comme ça, voilà. Donner. Du TNT, c'est ça? Faut que je fasse quoi avec ça? Fatal à courte distance. Le détonateur est armé. Je désamorce la mine. Hey, les caméras. Bon, déjà, il a plus de mine. Il avait une mine pour le. Pour, on... Un truc de fait. Ensuite, faut que je trouve l'entrée de cet endroit. Donc, brick. C'est forcément là qu'il y a une. Il y a une carte. Ah, oh, tiens, il a quoi sur lui là? Chaîne en or, super. C'est pas tout à fait ça que je cherchais. Peut-être sur ce PC, non? Réseau local, c'est ça qu'on veut. Système de surveillance désactivé. On désactive tout. Voilà. J'aurais dû faire ça avant, mais bon. Plus discrètement, c'est quoi ça? Un bras? Ok. On a toujours pas la carte du gars. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, amigo? Peut-être que j'ai le code dans ma tête. On pourrait peut-être arrêter cette alarme de merde aussi, ça nous ferait du bien. Ah yes. Regardez-moi ça. Et là, il y a quoi? Fichier. Sécurité des convois. C'est NDA. D'accord. Putain, ils sont à l'usine de transformation de nourriture. Ils sont bien mis. Salut Tcherno, t'es sans aucune intrusion dans ta vie privée. Tu n'es pas au travail aujourd'hui? Je cherche une carte. Peut-être là-dedans. Non, c'est un distributeur de... C'est pas ça non plus. Un cendrier, super. Ok. Ah, peut-être là, je le sens bien. Regardez-moi ça. On a mangé. Des pizzas.
des grenades. Que demande le peuple, hein? Bon, t'es où mon gars là? Aucune autorisation trouvée. Et si je tapais un code au hasard, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, faut le taper à la main? Bah alors, 1, 2, 3, 4? Ça marche pas. Ok. Des pizzas, Mister V. Bon. Oh là là, vous le voyez lui ou pas? Une chaudière explosive. On peut la faire exploser ou pas? Ah, je peux la faire exploser par là, non? Non. Merde, merde, mais pourquoi comment il m'a vu? Comment il m'a vu, le gars? Putain, le Netrunner, là. Il m'a bien pécho. Allez! Je gère de façon compliquée, mais je gère. Non, non, mets-toi pas près de la chaudière. Oh là 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 là, ça va exploser ce machin là. Voilà. J'arrive. C'est encore un petit peu brouillon, mais je pense que quand j'aurai bien gradé là où il faut, on va bien s'éclater. Oh, on a changé la ligne de front. Tu tires par là, mon gars. Je le vois. Je gère. Essaie de pas tirer sur les... Y a un gars là-haut? Non, ça va. Bon, on est pas trop mal, on a géré. Merde. Ah mais, genre, ils arrivent en masse. Décapitation. On est terminé là? On est bon? Mais ouais, on est les pros. Tout ça pour avoir... J'ai absolument pas du coup enlevé les... On aurait pu passer par là tellement doucement. J'ai pas du tout enlevé les caméras, je pensais que je les avais enlevées, mais a priori non. On peut aller par là, mais on va pas y aller tout de suite. Ah, c'est marrant, ça sort en petite tranche. On dirait l'usine des portes dans Monster Inc. Pas de petite carte pour libérer Brick? Comment je pourrais faire? Ah, attends, il se passe quoi là? Il y a encore une caméra? Non. Ça c'est quoi? Ok. Bon bah... T'as beaucoup ri hier? Le mot de passe va sur un post-it? Ah, il y a peut-être une carte. Ouais, remarque. Attends, le mot de passe serait sur un post-it. C'est pas con ce que tu dis. Tu sais quoi? Je vais refaire une passe. Je vais revenir où je suis. C'est qui a dit ça, le mot de passe post-it? Gwenvive. Je suis Gwenvive, je suis un génie. Je suis Gwenvive. Je pense comme Gwenvive, tu vois. Post-it. Post-it. Je suis un post-it. Alors, je suis un post-it, où est-ce que je me mets? Je me mets sur un PC en général. Tu sais, sur un écran là. Genre, ne pas oublier le code. Ouais, t'es caté. Non, non, l'ordinateur, je ne suis pas perdu. Je cherche... Ah, attends, c'est quoi ça? Non, non, post-it. MedTech.
Alors, je suis. Alors, je suis un génie et je sais qu'en fait, j'ai trouvé le détonateur là. Donc, le post-it doit pas être loin. Hein, non. 422,9. En fait, je crois pas qu'on puisse entrer de code. Il faut la carte. Ok. Et là-dedans, il y a un truc là-dedans. Ah, c'est un Max Doc. Mais non, il veut pas me voir. Détends-toi, mon gars. Et ah, là-dedans, on peut ouvrir. On peut ouvrir le truc. Et on peut l'utiliser. Il y a un truc, il y a le réseau local. Système de survie. Surveillance. Ben non. On désactive déjà. Mais attends. Mais en fait, je suis con. Qu'est-ce que je fais? Détends-toi. Utiliser. Si je regarde les messages, il y aura forcément le code. Ah là, je viens de bloquer. Le jeu vient de bloquer. Ah non. Attends, je l'éteins. Et maintenant, je l'ouvre. Ok, j'ai l'impression qu'il a planté. Je le reboot, tu vois. Ah, j'ai appuyé sur tous les boutons, ça marche pas. Je crois que j'ai fait une connerie. Là, je vais tester celui-là, là. Attends, message. Paye ou ta tête explose. Ok. Ok, danse sensorielle, super. Ok. Putain de PC, là. Ouvre-toi. Putain, il a... Allez, allez! Bon, bref. Ok. Bon, ben, j'aurais tenté. Brick, j'ai tout fait pour te sauver, mon gars. Ok, tout. Absolument tout. Ah, yes. 1, 2, 3, 4, 8. D'accord. Salut. J'ai la haine. Je l'avais sauvé un hein, brick, mais je m'en souviens plus. Je me souviens plus comment. Donc là surtout, tu t'approches pas de ça, parce que ça explose, d'accord? Ça là. Tu te donnes pas un coup de katana dedans. J'arrive. T'es prêt? T'es prêt mon gars ou pas? T'es prêt? J'ai vu un truc là. Bouddhisme. D'accord. Ça se trouve, c'était dans les nombreux trucs. Oh, il y a une porte ouverte? Ah non, elle est fermée. C'est plutôt relax ici. Chut, pas de bruit. C'est un sbire. On va faire un truc, on va distraire les ennemis, on va l'attirer là. Vas-y le sbire. Ah merde, il y a une caméra, tu vois, j'ai bien fait quand même. Ouais merde. Putain, elle est rapide la caméra. Fais chier. T'es où? Il est où? Il est passé où? Il a disparu le gars. Ah, il est sorti par là, merde. Rapide, hein. Tu vois que t'as. Ok, j'allais dire analyse de la cible, mais non. C'est quoi ça? Un hamburger. Putain, la caméra là, je les déteste. Bah, rien à faire, hein. On va attendre qu'ils viennent. Il est où, mon pote? Nulle part. T'es où? Putain, j'ai aussi. Alors, j'ai perdu le PC, j'ai perdu mon pote. Donc, je suis tout seul maintenant. C'est ça le délire? L'enfer. Alors, pour me faire téléporter ma. Ah, bah, tiens. Putain, j'aurais dû faire ça! Bah, comment je. Je lance une grenade, c'est ça que tu veux? Merde, putain, la. Ouais, 2 secondes, je gère. Putain, je suis en train de m'auto-tuer! Ah, le débile! Insupportable. Allez! Mangez ça. C'est bon? Ah, il y a encore un.
grenade bien placée, on n'en parle plus surtout. Ah non, je peux pas. Ouais, passe par le côté, viens. Viens mon gars. Ouais, c'est compliqué quand même. Hein. Ah, ça rebondit là. Merde, ça brûle, ça brûle. Ah, y'a encore un gars là? T'es où mon gars? T'es là-bas? Ah, attention, faire attention. Oh, attends. Non, c'est juste un jeu de cartes. Je cherche une carte et là j'ai eu un jeu de cartes. Ah putain, il est où ce Netrunner? Là, je brûle parce qu'il y a un mec qui est en train de me... Ah, c'est lui! Ça devait être lui, là. Super, merci, mon gars. Pas de nouvelles de mon meilleur ami? Qui a peut-être mieux à faire? Ouh là là. C'est maintenant que t'arrives, super. Il y a un truc, c'est que... C'est que là, tu vois, juste avant une pièce, il y a genre beaucoup de potions de soins, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il va se passer des choses. Je sais pas si j'ai tué le descendant de briques. On verra bien. Des grenades, très bien. Ça sera plus utile que... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bon, on est bon? J'arrive. On va faire une petite sauvegarde, ça vous va? Tout est sous contrôle. Quel choix a été fait à l'achat du drone? C'est quoi? C'est qui ça? C'est qui ce gars? Simon Royce Randall. 3 000 $ de récompense pour le tuer. Ok, il y a deux gars. Ah, il m'a vu là. Allez, c'est la teuf! C'est la teuf! Ça, il fait mal, hein. Ah, ouais, d'accord, il envoie des. Comme dans Dead Space. J'envoie des lasers. Allez, on va se le faire au katana, le gars. Merde, je suis mort ou pas? Ah yeah, je suis encore en vie, trop bien. Ah non, ça a été un peu compliqué quand même. Ok, on le refait. Ok. Surveille-moi. Fais gaffe. Pas de problème. Non mais j'ai... On y va? Pour l'instant, il nous a pas vu, le gars. Est-ce qu'on peut le prendre par derrière ou pas? Merde. Est-ce qu'on peut l'avoir en furtif? C'est ça la question. Il est là, mon pote, ou pas? Le mec, je lui fais mal en lui.
Fais le tour, nique-le par derrière, ça qu'il dit. Écoute, j'y vais à coup de main, ça a l'air de plutôt bien marcher là. Un peu répétitif, hein. J'essaie de comprendre. On peut pas l'avoir avec des coups de. Ah merde, la bombe toxique, c'est pas génial. Là, il est coincé, donc je m'en bats les couilles un peu, tu vois. Ah ouais, tu peux, ouais. Ah, il est mort! Mais c'est tranquille! Pas un coup de katana! Tout à la grenade! Mais c'était ma dernière grenade, c'est pas mal, hein? J'ai quoi? J'ai droit à Chaos. Un fusil, une veste à pointe. Waouh, trop bien. C'est tout? Et là, c'est l'autre gars. Lui, il a un manteau long. Toi, tu m'aurais bien fait chier. Ouf. C'était pas mon first try, mais c'était mon second try. Voilà, je commence à avoir de la thune. Il n'y a pas une carte pour sauver Brick à tout hasard. Elle est où la carte de Brick? Non, je vais pas sortir tout de suite, mon gars. Je sais très bien que après le boss final. Je suis passé à côté d'un truc. Je pense que j'ai déconné avec le PC qui a planté là. En plus, je pense que je peux pas remonter. Si? Bah non. Pas remonter en fait. Ok. Pas si grave. Un peu chiant, mais pas si grave. Vous l'avez battu, vous ou pas, ce gars? Vous avez peut-être pas joué au jeu? Je sais pas. J'arrive. Je prends juste ça. Waouh! Et je prends juste ça aussi. Et puis ça là, excuse-moi. Petit revitalisant, on prend, non? Qu'est-ce que t'en penses? On entend ces engins de Militech bourdonner dans tous les coins. On pourra parler une fois dehors. Oh merde. C'est la connasse de Militech. Ouais, bah je compte sortir avec, alors du calme. Hein. Bah si. J'aime bien ta façon de bosser. C'est vrai. Un autre boulot pour nous, ça te dirait? Ouais, ça se pourrait. Ce serait avec plaisir. Alors, à la prochaine, V. Si les dieux des corbeaux le veulent. Et entre vous et moi, il peut pas se passer un truc? Pensez à ce que tu as dit à propos des convois, de leur sécurité. T'en offres? Eh bien, elle nous intéresse pas. Putain, jusqu'au bout là, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est une personne désagréable. Il est temps d'y aller, canal. Bon les gars, on a tout fait. Hein. Si vous voyez des cadavres, c'est nous. Hein. C'est J'étais pas sûr qu'on repartirait en un seul morceau. Mais gars, elle nous a baisé. Elle nous a baisé. Je voulais la baiser et elle nous a baisé. Mais bon, bravo Jack. Merci Jack. T'as encore assuré. Et hey, toi aussi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens bien? Bah, je sais pas, elle est pas mal quand même, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, que c'est cool entre nous, j'aime bien bosser avec toi. Ouais. Moi aussi, mais. Moi aussi. Je t'adore, mon pote. Hey, je te laisse prévenir Dex qu'on a son jouet. Après, je propose qu'on se retrouve à l'Afterlife. Histoire de s'envoyer quelques shots. Ah, il est où, V? Salut, mon pote. D'accord. Ok. Comment ça se présente, monsieur V? Bah, j'ai le Flathead. Ça s'est bien passé. Aucun ennui. Tout s'est. Avec Militech, ça a donné quoi? Nickel chrome. Bien sûr que si, vu que Royce s'en foutait complet de votre accord avec Brick. Comment tu l'as amadoué alors? Tu t'es servi de la corpo? J'ai vu Stout. On a un terrain d'entente. Bien. Elle m'a donné la puce avec les crédits pour le Maelstrom. Stout a oublié de préciser un truc. La puce contenait un virus. Ça, il faut s'y attendre de la part des corpos. Je suppose que Royce n'a pas été très compréhensif. Non, on peut pas dire ça, non. Le virus a attaqué leur système et cramé plusieurs Maelstromers.
suis occupé des autres. Tu as du cran, monsieur V. Tout est prêt. On est bon. Et maintenant ? Maintenant, tu fais le travail que je t'ai demandé. Tu voles la vie. Ouais, Pat, ce sera pas pour ce stream-là, je vous le dis tout de suite. Discussion à l'afterlife. Rejoins-moi là-bas. Ok. Ok, j'y serai en moins de deux. Ouais, j'y vais pas tout de suite, mon gars. Au revoir, monsieur V. Moi, j'ai besoin de vendre des trucs. On va faire ça à la cool, hein. On va prendre le métro ou pas ? C'est un peu à chier. Ouais, on va leveler un peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais leveler un de réflexe et un de constitution. Parce que faut quand même survivre un peu. Par contre, je vais continuer à faire les lames comme un fou. Kiff comme une abeille. Ça, c'est quoi ? Lame bénie. Ouais, très bien, on prend. Et ensuite, ça, c'est quoi ? Sable mouvant. Est-ce qu'il y a une attaque ? Non. Il y a quoi ? Eau rugissante. Non, j'aime pas trop ça. Réduit la consommation. Non, je vais voir ce qu'il y a en athlétisme, je crois. Athlétisme, voilà. Régénération. Oh, sympa, ça. Wolverine. Increvable. Épimorphose. Bon, on va prendre un petit increvable, c'est cool. Ah, j'ai encore un point d'avantage disponible, trop bien. J'ai envie de prendre encore les lames, parce que rien ne fait plus mal. La meilleure attaque, c'est la défense. La meilleure défense, c'est l'attaque. Les contres réussis, non, je ne fais jamais de contre, moi, j'attaque. Lame défensive, j'en utilise pas. Ah ben voilà, très bien. Note dans ces carlates, parfait. Je joue qu'au corps à corps, ouais. Enfin, modulo les grenades, quoi. C'est ma voiture, ça ? Ou c'est la voiture d'un gars ? J'ai l'impression que c'est ma voiture. Ah non, c'est un gars qui attend au feu. Ok. On va prendre le métro. Faut que j'aille par là, mais bon. Charter Street. Bah, tu sais quoi ? Attends, on va y aller tout doux, là. Moi, je cherche un truc sur la carte. C'est un truc où je peux vendre mon stuff. Évidemment, il n'y en a pas. D'accord. Ah, on peut filtrer les missions, d'accord. Filtrer point de service. Ah. Personnaliser tout. Non. Ah, il y a tout là. Ok, dynamique. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est quoi ça ? C'est un charcutoc. Ça, c'est un point de dépôt. C'est là où on va aller. Boum. On y va un peu à pied, on en profite un petit peu du paysage, quoi. C'est à 500 mètres. On va repasser par là. Je peux... Non, c'est peut-être un peu tôt. On va prendre un peu le... Attends, est-ce que j'ai d'autres armes, en fait en un... Donc, je suis toujours... est-ce que j'ai déjà... Ce qui serait cool, c'est que j'ai un costume... Ah, le manteau est pas mal, hein. En fait, il y a un nouveau système qui fait que ton apparence est différente de ton stuff. C'est un peu compliqué, il va falloir que je rentre à la maison pour gérer ça. Pour l'instant, je suis juste comme ça. Attends, et en termes de lame, on a quoi d'autre ? J'ai une autre lame ou pas ? J'ai quoi ? Un couteau. Non, on va vendre tout le reste. Vous avez entendu des coups de feu là, monsieur ? Non ? Non ? Ok. Ah. On est à Kabuki, très bien. Peut-être que je devrais prendre une voiture ou une moto, non ? Là, par exemple, s'il y a une voiture qui traverse, j'ai un peu mal. Par exemple, comme lui, là. Ah bah tiens, il y a une moto, là. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Bah, dis donc. Valentinos. Je peux la prendre ou pas ? On dirait que non. Ça m'énerve. Allez, ça me frustre. C'est quoi cette idée? J'avais un point de dépôt à côté de moi. Ah bon. Est-ce que vous marchez un peu quand vous arrivez dans une nouvelle ville? Moi, je fais souvent ça. Je me souviens quand je suis arrivé à Busan, par exemple. J'ai marché la ville de long en large. Un peu pour comprendre ce que c'était. Pourquoi ils font dépense de l'électricité pour faire ces petits trucs là?
tout le monde les voit. J'aime bien marcher. Moi aussi j'aime bien marcher, j'ai créé The Beautiful Walk, mais j'aime vraiment découvrir les villes en marchant. Je vais pas faire un du vacances shaming, genre un les vacances, vous savez pas ce que c'est et tout, etc. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des gens. Ils vont dans un autre pays et genre ils vont à l'hôtel, ils restent dans l'hôtel, tu vois. Attends, j'ai l'impression qu'il est sous la terre le truc. Ouais, j'adore cette voiture, j'en ai une un jour. Je peux pas vous raconter les circonstances, mais... Ah, que c'est beau. Quel joli marché. Allez, go. On va vendre. Oui, je veux vendre cet objet. Il est fou, quoi. Ah, j'aurais peut-être pas dû vendre un objet violet. Il a quoi ce pistolet? Il s'appelle Chaos. Je m'en bats les couilles. Ok, les vêtements, pareil. Attends, oulala. Ouais, toujours pas. Y a pas un marchand de vêtements ici? Ouais. C'est très bizarre cette idée de... T'as une apparence qui est différente de... Bref. Et attends, je vends ma camelote aussi. 21$. Ok, on est pas mal. On va dépenser un peu de cette belle thune là. Vendez des vêtements, madame? Vendez quoi? Bah rien, des classeurs. C'est quoi, des pizzas? Salut, c'est toi, Tom? Des vêtements. Ça vend des vêtements ici? Cherche un costume cravate. Il y a un charcutoc ici. Salut. Salut. J'aimerais ressembler à autre chose. Ah, on peut se changer. Cherche de nouveaux implants. Là, il est buff, ah, le gars. On va découper tout ça. Alors. Système d'exploitation. Qu'est-ce que tu peux me donner? Ok, qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je peux pas les mettre? Ah, il faut plus de réputation. Ok, d'accord. Bah écoute, mon gars. Attends, mais j'ai peut-être acheté des... Non, je charge. Est-ce que j'ai des choses? Des squelettes. Ça, c'est quoi, par exemple? Ça coûte combien? 1600. Vitesse d'attaque. Bah, c'est super! Ouais, je prends ça, trop bien. Confirmé. Yes! Boum, boum. Ensuite, les mains. Est-ce que je peux prendre des mains plus cool? Non, je peux pas. Des bras. Non plus. Des jambes. Non plus. Système tégumentaire. Je sais pas ce que c'est. Tégument. D'accord. Ah, si je peux en prendre un, c'est quoi ça? Permet de se rendre invisible. Je réfléchis. Donc, pendant 15 secondes, je suis invisible. C'est pas mal. Genre, je fonce sur le gars, il est mort, quoi. Système immunitaire, c'est quoi ça? Après avoir subi des dégâts, ah ouais, pas mal, je prends. 2% de chance, c'est pas énorme, mais ça arrivera. Système sanguin, rien. Et là, on a quoi? C'est quoi ça? Mort réparatrice. Ah, je regagne 2% de santé à part... Ouais, ouais, j'ai encore de l'argent, trop bien. Bah, Dr. Chrome, je vais prendre ça, trop bien. Je regagne un peu de santé après avoir tué des gars. Le système oculaire, t'as pas mieux que mon œil, ok. Ça, c'est quoi? Attends. On peut voir tout. Objet du vendeur. Et ça, c'est mes objets. D'accord. Ok, bah super, mon gars. Merci, Charcutoc. Je me sens un homme nouveau. Merci, Saint Thomas. Vous êtes fatigué, à plat? Non, je voudrais un marchand de vêtements. Squirtacquisitor. 7000. Squirts. Non, mais je vais pas prendre à manger. Ah, il y a un petit poisson holographique là, c'est mignon. Alors, je réfléchis.
Ça c'est quoi? Ça c'est un charcutoc. Moi je voudrais juste un magasin. Ça c'est chez moi. C'est mon petit appartement. Ça c'est le NCPD. Une agression en cours? Voilà, voilà un... voilà une affaire pour Fibre Tigre. On va peut-être sauvegarder. Voilà. L'agression en cours, elle doit être dans ce... peut-être là-haut, là, dans ce truc-là. Comment monter là-haut? Peut-on monter là-haut? Ah bah tu vois, elles sont là-bas. Bah dis donc, on n'est pas bien à la fraîche là? Tu m'excuseras, j'essaie de sauver des gens. Donc là, il y a une meuf. Et là, il y a un autre gars. Ok. Si je m'approche, ça va l'énerver ou pas? Ok. Alors, on va faire un autre truc. Nani? Alors, je peux pas la... je peux pas la saisir. Ah, ok. Chut, chut. Chut, tout va bien. Elle est pas morte, hein, rassurez-vous. On ouvre, on sort tout doucement. Le katana, tout doucement. Les salauds, ils ont fait du mal à une personne. Ils s'approchent, j'ai l'impression. J'ai pas envie de les tuer. Bon allez, y'en a marre. Il a un beau katana. Hein. Il sera mien. Hop, 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 hop. C'est quoi cette bombe là qu'ils ont fait? Ah, c'est bon, ils sont morts? C'est qui? Ah, il a été sauvé. Ah putain. Banzai salopard, il me dit ça. Oh merde, une bombe. Putain, il est occupé le gars. Mais il est où? Ah, il est là. Wouh! Alors, il a un Copperhead, on s'en bat les couilles. Ok. Toi, par contre, mon gars, je t'ai coupé une jambe. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est ton... ton... il est où ton... ah, putain, c'est quoi? C'est une griffe. Ah, merde, c'est une hachette. Elle fait mal la griffe, hein, par contre. Hein. Mais j'aime bien mon katana. Ah si, il est là le katana. Oh, trop bien. Ah, oh, il est brillant et tout en plus. Ah, oh, putain, mais quelle belle journée. Oh là là. Alors il fait combien celui-là? Il fait 160. Il fait 167. Il est où mon autre katana? Mais il est où le katana? Il est où là? Le katana brillant là que j'ai eu, il est où? Ah putain. Il est où le katana? Non mais c'est quoi cette histoire? Où est le katana? Où est Paris de katana? Je vais le mettre là, là. Voilà. En katana j'ai quoi? Condition. La griffe. Ah si, c'est le nouveau katana, c'est celui-là. Il fait des dégâts thermiques en plus. D'accord. Mais alors, ça je vais l'enlever. Parce que je veux pas. Non, ça c'est le nouveau, d'accord. 167. C'est celui-là que je vais enlever. Ah non.
Il est nouveau ou pas? Attends, on va bien voir. Waouh, on l'adore celui-là. Regarde-moi ça. Non, celui-là, il est nul. C'est l'autre qu'on veut. L'autre. Et il bouge plus? Mais il est où le... Celui qui... Attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce que fait-il? Mon katana qui brille, il est où? Attends, on va enlever celui-là. Voilà. Ah, 221, 189. Je vais enlever le 199. Comment je l'enlève? Déséquipé, c'est parti. Donc là, j'ai le bon katana. Pourquoi il brille plus? Mais pourquoi il brille plus? Ok. Je vous avoue que ma déception est immense. Bon, est-ce que je peux faire l'amour à Meredith Stout? Attends, elle est craquée, on se croirait dans... C'est encore des méchants? Insupportable. Ah, c'est 199 le katana qui brille. Vraiment? Attends, oh, je reviens. Moi, je suis désolé, je préfère un katana moins fort. Mais qui brille que... attends, 189, fais voir. Non, il brille pas du tout, mon gars. Il brille pas, hein. Oh là là. Non, 262. Ok, attends. Je commence à péter un câble. Attends. 262 ou 167, c'est ça? 41 des bagages thermiques. Plus 10% d'un peu. Et celui-là, il est vraiment vénère. Hein. Non, c'est celui-là, c'est le nouveau, celui-là. Attends. Ah, c'est celui-là. Non, il faut que je prenne le plus fort. Il a plus de piles. Je sais pas. Bon, les gars. Je tire dans le tas, là. Désolé pour le vendeur. Ah, mandat d'arrêt émis. Ah, merde. Oh, putain, je voulais absolument pas tuer un gars innocent. Merde. Est-ce que c'est la police? Non. C'est juste un gars normal, on est d'accord. Ça, c'est pour écouter de la musique nulle, ok? Bon, en fait, au corps à corps, le jeu, il est assez simple. Hein. J'ai fait une petite connerie, bon, j'avoue. Voilà. C'est ma façon d'arrêter la musique. Les dégâts, ils changent de valeur, ouais, peut-être. Félim Koukouati. Il faudrait que je trouve un magasin de vêtements. Salut mon gars, ça va? Je crois que tout le monde est correct. Réglo ici, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? J'aimerais bien rentrer chez moi, en vrai. Donc, pour régler cette histoire de tenue, est-ce que vous aussi, vous êtes du genre à vraiment faire attention aux cosmétiques? Non, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as la valeur brute de l'arme. Je pense, et tu as. J'ai un mandat d'arrêt contre moi. Faudrait que j'aille le payer, non? Alors, sachez que vous entendez pas tout à fait les mêmes musiques que dans le vrai jeu. Parce qu'il y a une option. What if. Putain, j'ai de la thune. Ah non, j'ai de. Destination chez moi.
Salut Daro Delta. Alors, ah oui, c'est chez moi. Ah bah carrément, je suis téléporté en face de chez moi. Ok, la vie est belle. Ok, j'ai reçu des mails ou pas? Message 3. Grande loterie à l'air qu'Anna arnaque. Ok, super. C'est des spams. Alors, c'est quoi cette histoire de garde-robe? En fait, moi, je veux pas. Je veux enlever. Enlever. Je l'enlève. Enlever. Ok. Donc maintenant, j'ai ma tenue de base, c'est ça? Et je ressemble à quoi? Inventaire. Oh putain, vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Ok. Et donc, mes vêtements. Ah oui, c'est les vêtements donnés par. Truc là. Ah. Ah, c'est génial. Ah voilà, très bien. Ok, très bien. On va pouvoir tester un peu tous ces vêtements et garder ce qui est le moins nul. Ah putain, il faut que je mette les. Attendez, hop. Voilà. On voit juste les fesses. Vous avez rien vu, d'accord. Alors, en haut du corps. La veste de motard est pas mal. C'est un peu la veste. Ok, attends. Ensuite, en bas du corps. T-shirt à manches longues. Ouais, c'est correct. Ensuite. Ah, il y a des tenues. Non, j'ai pas de tenue. D'accord, ok, j'ai compris. Ouais. Tenue, c'est à chier. Ensuite, bas du corps. Un short. On va prendre plutôt ça. Hein. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est. Ce sera en attendant, d'accord? Exo Ranger de combat. Waouh! Remarquez que j'ai pas de caleçon. Il pourrait. Moi, je joue à des jeux où les gens ont des caleçons, comme Dark Days Ahead. Je sais pas si vous vous souvenez, on a joué à ce jeu ensemble. Bon, j'ai pas un look de. J'ai quand même un look de premier de la classe, mais bon, on prend quand même. On changera au fur et à mesure. C'est quoi ça? Ok. C'est quoi? Je vais dormir un peu. Bonne idée. Oh. Il faut... Moi, je rêve d'un cyberpunk Sims dans lequel tu dois toujours faire pipi, boire, manger, dormir. Ce serait top. Parce qu'en vrai, quand tu es dans une ville inconnue, tu penses qu'à deux trucs, c'est où est-ce et quand je vais pouvoir manger, parce que tout n'est pas ouvert tout le temps, tu vois. Et où est-ce que je vais pouvoir dormir? C'est ça qui est important. Qui me parle? Ah merde. Il est 17h25. Ok Google. Stop. Stop. J'ai une alarme, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Je me souviens pas, j'avais un rendez-vous ou pas? Merci Zuban. Ah merde, ça va les flics? Il y a un souci ou pas? Tout va bien? Ah, c'est un racketeur. Vous avez fait du bon travail, monsieur, dame. Oh, un petit peu. Oh là, putain, il est magnifique ce gars. Putain, il est genre, il est recouvert de tatouages. Il est incroyable. Il s'appelle comment ce monsieur? Xiao Tongyan. Incroyable! Regarde-moi ça. Regarde-moi ça dans le dos. Incroyable. Ça, c'est normal qu'il soit à moitié à poil. Ok. Ah, il vend des armes, lui. Tu vends des lames. Trop bien. Vous avez quoi en stock? Ouais, ok. Un katana. Ouais, il est mieux, meilleur que le mien. Ah, je suis très katana. Mais j'aime bien utiliser les katanas que je trouve sur mes ennemis, tu vois ce que je veux dire? Bonjour madame, j'attends l'ascenseur. Vous avez passé une bonne nuit? Parce que c'est le jour.
Ouais, ça roule. Et mon ascenseur est là, donc j'y vais. Ah, les informations locales. Je me demande si la bourse a augmenté. Donc, de la violence, on se croirait sur CNews. Hein. En fait, c'est faux, hein. Il n'y a pas des no-go zones dans les Badlands. C'est faux, je suis nomade, je le sais. Ouais, le NCPD, ils ont un mandat d'arrêt contre moi. Hein. Soi-disant, j'ai tué quelqu'un. Soi-disant. Avec cette arme là. Ah, elle, regardez, elle fait un peu de. Bah tiens, c'est incroyable comment t'as fait pour descendre. Putain, mais il est incroyable, il est peut-être tombé, il a peut-être sauté. Attends, c'est le même gars ou pas? Ah, c'est Feng Shanji, c'est son frère jumeau. Incroyable. Oh là là, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Ouais. Si elle est au Tom's Diner, ça doit être la chaîne. Oh là là, il y a du monde, hein. Foodscape. C'est quoi ça? Le mec qui regarde ça, mais il n'y a pas de poisson, mon gars. Il regarde juste les plantes. Il fait son shot de plantes, quoi. Buck slash, je mangerais bien une petite part de pizza. Tu fais de la pizza, il est où Tom? C'est vous Tom? Non, Gibao. Ok. On peut manger quelque chose là? Tom? Service laisse à désirer. Je peux m'asseoir là? Ou là? Non? D'accord. Bon. On ira trouver à manger ailleurs, hein? C'est beau, hein? Je cherche un vendeur de costumes. Waouh, attends, c'est des méchants ou pas? Il y a un méchant, une deuxième méchant. C'est quoi son casier judiciaire? Et lui, attends, lui il a un casier judiciaire ou pas? 10 dollars. Est-ce que je me déplace pour 10 dollars? Et lui, combien? Par contre, j'avoue, sa moto me fait envie un peu. Oh, on gagne de l'expérience quand je fais un ping. Incroyable. Je veux tes lunettes, tes bottes. Eh ouais. Je le regarde, il me frappe, je le décapite. C'est ma technique. Si c'est pas malheureux quand même. Un bijou d'oreille que je récupère sur son corps alors que... Bon, je prends laquelle? Ah, la bleue elle est pas mal, la blanche elle est bien aussi. Allez, je prends la blanche parce que la rouge je l'ai déjà essayé l'autre jour. Alors, est-ce que je vais pouvoir monter les escaliers là? Excusez-moi, madame. Désolé. Je roule pratiquement là. Hein. Ah! Un stand de vêtements! Incroyable!
Alors. Tu vends des vêtements, ma belle? Je voudrais acheter des vêtements! Ah! Ok. Peut-être je suis au mauvais endroit. Ah mais j'essaie de pas écraser des gens. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens ont peur? Putain, c'est quoi cette musique de merde là? Bon allez, on fait un dernier tour et après je vais vous dire au revoir tout à l'heure pour le... Tiens, on fait un jeu de rôle à 18h30 dans une heure. On fait un jeu de rôle qui se passe à Venise en 1270. Vous pouvez tous jouer. Oh là là, c'est smooth. Putain, j'ai fait un dérapage à la Akira, mon gars. C'est un peu vide là d'un coup, hein. Monter un peu en puissance comme dans les motos de Tron. Ah. Et non, sacré brouillard. Hein. Est-ce que ce brouillard se serait levé parce que je suis allé trop vite en moto? Qui pourrait le dire? Ok. Attends, on va monter à l'étage là. J'ai du mal à quitter le jeu hein, là. Mais Ah c'est la traumatisme. Ah oui, ils sont dangereux. Hein. Ah oui, ah, c'est une tempête de sable. Incroyable, j'en ai jamais vu. Là c'est très Blade Runner. Hein. Bon, on va laisser la traumatisme faire son taf. Essentiellement parce qu'ils peuvent nous flinguer quoi. Ça manque un peu de musique planante à la Blade Runner, je trouve. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est le métro? Ah, intéressant. C'est fou parce que les transports en commun aux États-Unis, c'est vraiment la honte. C'est-à-dire quand tu prends le transport en commun, c'est une marque de déchéance terrible. Et d'ailleurs, je m'en souviens parce que au début de Breaking Bad, j'ai vu l'épisode 1 et je sais qu'à un moment, il doit prendre le bus. Et je sais que c'est une marque de shame, tu vois. Ok, bon écoutez, avec cette magnifique tempête de sable, je vais vous laisser pour le moment. Putain, c'est beau, hein. Pouah, il est beau le jeu. Ah, j'avais pas qu'il y avait le métro qui passait en haut en plus. Je vous laisse là pour le moment. Et on fait une partie tout à l'heure, dans une heure. C'est un jeu de rôle, tout le monde peut jouer. Donc n'hésitez pas. Plein de bisous, à tout à l'heure. Salut.